Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette nouvelle série de trois vidéos d'un quart d'heure quand même parce que c'est un sujet important. Ça, on va parler du message de la croix. Le message de la croix est le message le plus important de la Bible. Cependant, c'est le moins prêché aujourd'hui. Et il est bon de nous remettre en perspective qu'est-ce que le salut, pourquoi nous avons été sauvés, quels en sont les bénéfices, qui peut être sauvé. Il y aura toutes ces choses-là qu'on va examiner aujourd'hui. Deuxième vidéo, on va parler de l'alliance. La croix est une alliance, en fait. Et il est important de comprendre les tenants et les aboutissants de l'alliance. Et la troisième vidéo sera comment la croix se manifeste dans notre vie quotidienne. Alléluia. Tout d'abord, quand on parle du salut, es-tu sauvé? Tu es sauvé. Mais sauvé de quoi, déjà, pour commencer? C'est une question fondamentale. Donc, ici, j'ai choisi deux versets pour vous dire. Dans Romains 5,9, la parole nous déclare ceci, version parole vivante. À plus forte raison maintenant, ça veut dire après avoir cru à Jésus-Christ, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang. Acquittés par l'effusion de son sang. Acquittés, ça veut dire quoi? Libérés d'une dette. Alléluia, on acquitte quelque chose. Nous sommes acquittés, nous avons été libérés. Alléluia. Mais de quoi? Notre dette a été acquittée. Pourquoi? Il dit ici, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir? Première des choses, le salut, nous sommes sauvés pour éviter la colère de Dieu. La colère de Dieu va se manifester. Vous savez, les jugements sont déjà sur la terre aujourd'hui, mais dans la fin des temps, je ne peux pas trop entrer là-dedans, c'est le livre de l'Apocalypse, il y aura un grand jugement qui va venir sur la terre. Le Seigneur va déjà soustraire à ce grand jugement catastrophique qui va venir sur la terre, tous ceux qui lui appartiennent. Et ensuite, il y aura différents événements et il y aura le jugement final où chaque homme passera devant le tribunal de Dieu. Certains pour la perdition et d'autres pour la vie éternelle. Donc, nous sommes sauvés de quoi? De la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens 1,10 nous donne encore quelque chose. Maintenant, vous attendez le retour personnel de son fils Jésus. Qu'il a ressuscité des morts. En parenthèse, Jésus, le seul qui a été ressuscité des morts. Bouddha n'a pas été ressuscité des morts, Mahomet non plus, etc. Et toutes les personnes qu'on vénère aujourd'hui n'ont pas été ressuscitées. Seul Jésus-Christ a été ressuscité des morts et qui reviendra du haut des cieux pour nous délivrer de la colère à venir. Ça, c'est de la colère qui va se manifester à la fin des temps. Alléluia. On parle d'une grande tribulation, toutes ces choses-là. Il y a des choses terribles qui vont arriver sur la terre comme conséquence de l'impiété des hommes et du rejet de Dieu. Mais le Seigneur va enlever ceux qui lui appartiennent et les soustraire à cette colère-là. Mais comme j'ai dit, encore la colère de Dieu va se manifester de manière définitive lors du jugement final où certains auront la vie éternelle et d'autres seront jetés dans ce qu'on appelle dans le lac de feu. Alléluia. Maintenant, le salut est pour qui? Ah, pourquoi certains sont sauvés, d'autres pas? Bon, alors, Jean 3,16 nous dit ceci, c'est le verset le plus connu de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'aucun d'eux qui se confie en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est comme on a vu, on est sauvé de la colère et il nous fait une offre. Dieu nous tend une offre. Acceptez mon fils Jésus-Christ comme votre sauveur et c'est tout ce que vous avez à faire. Alléluia. Cependant, il rajoute aussi dans Hébreux 5,9 un verset que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre. Et il dit, c'est ainsi qu'il a atteint Jésus le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu un salut éternel. Ça veut dire qu'on ne peut plus... annulé pour tous ceux qui lui obéissent. Le salut, vous savez, c'est gratuit, on va le voir tout à l'heure, mais Dieu a des exigences, c'est quand même l'obéissance à la parole. Aujourd'hui, quand on est rebelle, on ne peut pas obéir à la parole, mais quand nous avons accepté le salut, nous changeons de statut et il nous est facile d'obéir à la parole de Dieu. Alors, on a vu que nous sommes sauvés de la colère à venir de Dieu, c'est bien. Nous avons vu que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fait une offre pour éviter cela, pour que nous ayons la vie éternelle, parce que vous savez que la vie ne s'arrête pas après la mort physique, ça continue. Alléluia, il y aura une vie éternelle. Maintenant, quels sont les bénéfices? Dans Ésaïe 53, verset 4 et suivant, il est dit ceci, on parle de Jésus ici. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Alléluia. Jésus a porté nos souffrances et nos douleurs. Et lorsqu'on vient à lui,
on peut beaucoup mieux gérer nos souffrances et nos douleurs. On va expérimenter des choses incroyables que quelqu'un qui ne le connaît pas ne peut pas expérimenter. Verset 5, il dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Si nous regardons à notre vie, est-ce que nous marchons vraiment dans la justice? Si nous regardons à la vie du monde aujourd'hui, quels en sont les fruits? L'homme a détruit la planète. On peut regarder ça. L'homme est un promoteur de guerre. L'homme exploite l'homme. L'homme exploite la femme. Regardez toutes ces choses horribles qui se passent sous le soleil. Ça, c'est pas Dieu. C'est le caractère irrégénéré de l'homme qui produit toutes ces choses-là. Mais celui qui appartient à Dieu est sorti de ces ténèbres. C'est le monde des ténèbres pour aller dans le monde de la lumière. Et il dit encore quelque chose ici d'extraordinaire, le châtiment qui nous donne la paix. Alléluia. Quiconque est en Christ a la paix malgré tous les éléments qui se passent. Le monde n'a pas la paix. Le monde a l'ONU. Mais l'ONU est incapable de promouvoir la paix. Le seul qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est ça le salut aussi, ça fait partie du salut. Les bénéfices du salut, nous avons la paix quelles que soient les situations parce que nous savons en qui nous nous confions. Alléluia. Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons aussi accès à la guérison. Il y a tellement eu de guérisons. Il y a même des gens qui ont été ressuscités, des cancers ont été guéris, des maladies incurables et toutes ces choses-là. Ça, c'est pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Verset 6, ça montre bien l'état du monde actuel. Nous étions comme des brebis. Tous errants comme des brebis. Aujourd'hui, le monde ne sait plus. Il n'y a pas de berger. Les brebis, vous savez, quand il n'y a pas de berger, une brebis peut se faire attaquer par un loup. Une brebis peut tomber dans un précipice, peut tomber dans un trou. Il n'y a personne qui va panser ses blessures et s'occuper d'elle. Chacun suivait sa propre voie. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Chaque pays suit sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Je vivais dans l'iniquité. Mais mon iniquité est retombée sur Jésus-Christ pour que je sois libéré de toutes ces choses. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Vous savez, le sacrifice de la croix, c'était vraiment quelque chose d'infâme. C'était la mort la plus infâme. Vous vous rendez compte, vous êtes nus, vous avez les mains qui sont percées par des grands clous de 10 ou 15 centimètres et vos pieds aussi, et vous attendez que la mort vienne vous attraper. Alléluia. Non, c'était vraiment quelque chose de vraiment terrible. Alors, on a vu, on est sauvé de la colère, on a vu pour qui c'était, on a vu les bénéfices. Mais maintenant, comment est-ce qu'on obtient le salut? Est-ce que c'est par mes bonnes œuvres? Est-ce que c'est par mon argent? Toutes ces choses. Eh bien, pas du tout. Éphésiens 2:8 est très clair à ce sujet. Il dit « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. » Alléluia. Vous savez, lorsqu'un président gracie un condamné à mort, le condamné à mort, il est dans sa cellule, et qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Mais lorsque la grâce présidentielle vient, on vient le chercher, on ouvre sa cellule, on le prend avec, on lui redonne ses habits, et il retourne vivre sans aucune entrave. Alléluia. Donc c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi moi je suis sauvé, les autres pas? Eh bien, parce que il faut répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous tend une perche. C'est comme si vous êtes noyé. Le Seigneur vous tend une perche. Attrapez ma perche. Ma perche, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Acceptez mon fils. Acceptez le sacrifice de mon fils. Alléluia. Et des gens ne vont pas le prendre, d'autres vont le saisir. C'est pourquoi la Bible dit qu'on doit aller prêcher cette bonne nouvelle pour que tous entendent cette bonne nouvelle et qu'ils aient la chance de se positionner. J'accepte ou je refuse le salut. Donc c'est par la foi à l'œuvre de Jésus-Christ et non pas par nos œuvres qu'on mérite le salut. Donc rien ne vient de vous, tout est un cadeau. Et Éphésiens 2:9 dit encore ceci, ce n'est pas en accomplissant les commandements, parce que les Juifs avaient la loi, que vous l'avez acquise. Absolument pas. Tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écarté toute la raison de s'enorgueillir. Parce que si on pouvait acquérir le salut par nos propres moyens, oh là là, ça serait une catastrophe. Mais nous voyons là l'amour de Dieu, la grâce. Le Seigneur répand sa grâce sur quiconque accepte la perche qu'il lui tend, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Alléluia. Donc, ce sont des choses simples, mais je dois quand même dire que
on a accepté ça par la foi, c'est vrai, mais que la foi ensuite va produire du fruit dans la vie de celui qui a accepté Christ. Ce n'est plus la même personne. S'il n'y a pas de changement, c'est que il a accepté Christ de manière intellectuelle, mais il n'a pas accepté Christ avec le cœur. Accepter Christ avec le cœur, ça veut dire je crois ce que Jésus a dit, je suis une nouvelle création et maintenant je marche selon les règles du royaume de la lumière et plus selon les règles du royaume des ténèbres. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je deviens une lumière, je rayonne. Il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Ce que j'affectionnais faire avant, je ne le fais plus. Je laisse tomber toutes ces choses-là parce qu'elles sont mal propres, elles sont malséantes et tout ça. Maintenant, beaucoup de gens s'illusionnent aussi sur pourquoi nous avons été sauvés. Hein, ils pensent que moi j'ai été sauvé, c'est super, maintenant j'ai un Dieu à ma disposition, je vais prier pour que j'aie la voiture, la femme, le mariage, toutes ces choses-là. Oui, Dieu est un Dieu de bénédiction, il donne toutes ces choses-là, mais c'est pas le but, et on doit comprendre le but du salut, pourquoi nous avons été sauvés. Et là, nous avons deux versets, Romains 6, 6 dit clairement, « Comprenons que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec Christ. » Ça veut dire, ce que j'étais, je ne le suis plus. Ce que j'ai été, je ne le suis plus. Alléluia. Et il dit, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Ça veut dire, avant, j'étais conduit vers le péché. Je laissais le péché dominer sur moi. Eh bien, ça, c'est fini et terminé. Nous avons été, le salut nous permet... Hein? Le Seigneur nous a octroyé le salut. Pourquoi ? Pour que nous dominions sur le péché par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal n'ait plus prise sur nous. Le mal n'a plus prise sur nous. Voilà aussi le but du salut, c'est que je puisse marcher en nouveauté de vie et que je n'ai plus besoin d'obéir comme un esclave aux sollicitations. Amen. Et le dernier verset, il dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Oui, ce n'est pas pour nos propres moyens. Il nous a recréés en Christ, spirituellement, pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Alléluia. Nous avons des bonnes actions à faire. Pas les bonnes actions selon la chair, mais des bonnes actions à faire. Et voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle qu'il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Certains vont dire, ouais, mais alors les dés ne sont pas pipés. Les dés ne sont pas pipés. Le Seigneur a prévu un chemin glorieux pour tous ses fils et toutes ses filles. Il a préparé les bonnes actions, les actions de la lumière. Alléluia, celles qui sont conformes à sa parole. Et lorsque nous lisons la parole, nous savons comment nous devons nous comporter dans la vie. Nous sommes sortis de l'égoïsme. C'est tout pour moi, moi, moi. Ce monde, c'est moi, moi, moi. Mais le règne de l'amour, c'est j'apprends à donner. Jésus a donné sa vie pour nous. Je donne ma vie pour lui. Ça veut dire quoi? En manifestant l'amour à tous ceux qui sont autour de moi. Il y a un changement de vie qui s'occupe. Et dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Lorsqu'on vient à Christ, ce n'est plus pour faire notre volonté, ce n'est plus pour chercher nos propres intérêts, c'est pour chercher les intérêts de Dieu. Et lorsque quelqu'un le fait, le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, va prendre soin de ses propres intérêts. C'est un changement de vie. On n'est plus dans l'esclavage. Regardez aujourd'hui en Europe, dans l'Occident, on vit dans l'esclavage des factures. Il faut travailler, on est vraiment dans des tourments, on n'a pas la paix, on a peur de l'avenir. Tout ça avec Christ, ça disparaît parce que nous avons une autre espérance, nous savons en qui nous avons cru, nous avons un Dieu qui nous soutient, nous avons un Dieu qui subvient à nos besoins, nous avons tellement d'avantages à connaître notre Dieu et à développer notre vie intime avec lui. Donc voilà pour cette première vidéo, ça va faire 15 minutes à peu près. Nous sommes sauvés de quoi? De la colère à venir. Pour qui? Pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et quels sont les bénéfices? Ben, on a la paix, on a la guérison, on a toutes les choses que j'ai énumérées. Et comment on obtient le salut? C'est pas par nos œuvres, c'est par la foi qui va activer la grâce. Et dans quel but finalement nous sommes sauvés? C'est pour servir Dieu. Nous sommes des serviteurs, des sacrificateurs du Très-Haut. Nous n'avons pas un Dieu qui est là pour faire nos caprices. Nous avons un Dieu que nous servons avec joie. Et lorsqu'on le fait, lui-même
prend soin de nous et de nos intérêts. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que votre journée soit magnifique aujourd'hui et que vous receviez, chacun qui écoutait, une bénédiction spéciale dans votre vie pour cette journée, au nom de Jésus. Amen.